Don't say marron, pen, or mamon. Want to improve your French accent? This video will teach you which letters to pronounce at the end of French words. Actually, only a few. With this knowledge and my tips, you'll be able to speak French with greater clarity and confidence, impressing your colleagues, friends, and family with your improved accent. Start mastering the French language pronunciation today. Oui, je sais que c'est difficile de savoir quelles lettres on prononce à la fin des mots français. Je vais donc vous donner des trucs et astuces pour améliorer votre accent. C'est parti, les amis, on y va Salut On commence par les voyelles. Let's start with the vowels. En français, on prononce les voyelles finales à la fin des mots. In French, we pronounce the final vowels at the end of words. Par exemple, ski, aussi, quiproquo, villa, pizza, menu, vue. Si cette voyelle finale est un E, c'est un petit peu particulier. On prononce le E seulement s'il y a un accent aigu ou un accent grave. If this final vowel is an e, we are going to pronounce it only if there is an accent on this e. Par exemple, aller, thé, penser, marcher, café. Si le e n'a pas d'accent, on ne le prononce pas. Ça, c'est très important. If this final e doesn't have any accent, we won't pronounce it. Super important here. Par exemple, arrête, pire. Salade, facile. Mon petit truc pour vous aider avec la lettre E, c'est de penser que le E final est là pour dire S'il vous plaît, prononcez la consonne qu'il y a avant moi, mais pas moi. My little tip to help you with the E letter is to think that the E is here to tell you Please pronounce the consonant that is right before me, but not me. Par exemple, dans salade, on prononce le D, mais pas le E final. Maintenant, je vais vous parler d'association de lettres. Now, let's talk about combination of letters. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Je vais commencer par les combinaisons de voyelles. Let's see two vowels together first. Par exemple, bateau, hibou, essai, moi. Vous voyez dans ces mots, le EAU fait le son O. Le O et le U fait le son OU le a et le i fait le son e et le o et le i fait le son wa you see in these words the specific association of letters make a new specific vowel sound so it's good to see and good to know une autre association possible c'est une voyelle avec une consonne another combo is a vowel and a consonant la plupart du temps, cette association c'est une voyelle avec après un n ou un m. Most of the time it's a vowel with an n or an m after. Et dans ce cas, on a un son voyelle nasal. And we get a nasal vowel sound. Par exemple. Marron, pain, maman. Vous voyez dans marron le o et le n fait le son on. Dans pain a i n fait le son 1 et dans maman c'est le a et le n ensemble qui fait le son an you see it's another combo of letters here ce qui est très important c'est de ne pas prononcer le n ou le m à la fin de ces mots what is the most important it's to not pronounce the n or the sound at the end of these words with a combo of nasal sounds because actually the N or the M is already in this nasal sound, it's like you would pronounce it twice if you would say ON or N. Don't say MARON, PEN or MAMON, that's a very heavy accent. Comme d'habitude, le E est un petit peu spécial. Bien sûr, on peut trouver le E associé à certaines consonnes à la fin des mots. Le plus souvent, ces consonnes sont le D, le R, le S, le T et le Z. Si vous trouvez un E suivi d'une de ces consonnes, vous devez prononcer E ou P. E. If you find at the end of a word an E followed by one of these letters, d, R, S, T or Z, you have to pronounce these two together like an E or an E. Par exemple, pied, marcher, mai, juillet, essayer. Maintenant, on va parler des consonnes. Let's talk about consonants now. Première chose, il y a des consonnes que vous ne trouverez presque jamais à la fin des mots en français. First of all, there are consonants that you will almost never find at the end of words in French. Ce sont le B, J, K, Q, V, W. Donc celles-là, on peut les oublier. We can forget about them. Ensuite, en fait, on ne prononce pas la grande majorité des consonnes à la fin des mots. Actually, we don't pronounce the big majority of consonants if they are found at the end of a word. Par exemple, D, M, N, P, S, T, X. These guys won't be pronounced. Comme par exemple dans les mots accord, maison, trop, gris, croissant, faux. N'oubliez pas ce petit truc, les N et les M à la fin des mots. Ne sont pas prononcés séparément. Ils sont prononcés en association avec la voyelle qui les précède. Don't forget that the final N's and M's are mostly pronounced together with the vowel right before, not separately. On dit maison, pas maison. Sauf, so, bien sûr, il y a certaines exceptions tirées du latin, comme le mot album. Of course, there are some exceptions from Latin language, like the word album. Vous voyez, finalement, il y a seulement quelques consonnes qui sont prononcées à la fin des mots en français. You see, actually, there are only a few consonants that are pronounced at the end of words in French. Ce sont les consonnes C, F, G, L et R, comme par exemple dans les mots truc, oeuf, blog, général ou ordinateur. Bien sûr, si le R est précédé d'un on le prononce en association comme un e pas comme un er ou quelque chose comme ça. Of course don't forget that if the r is preceded by the e it's going to be associated and pronounced e. Sorry, that's just the way it is. Voici un autre petit truc. Bien sûr, tous les mots qui viennent d'une langue étrangère ne vont pas suivre la même logique et être prononcés différemment. Of course, all of the words that come from a foreign language won't follow this French logic and they will be pronounced differently. Par exemple, ketchup, kayak, stress, camping, etc. Une autre chose, si vous conjuguez un verbe avec il ou elle au pluriel au présent et que vous ajoutez la terminaison ENT, c'est toute la terminaison qu'il ne faut pas prononcer. Par exemple, on lit ils sortent ou elles boivent, pas ils sortant ou elles boivant. Mm -mm. Don't forget that when you conjugate a verb in the present tense with il and elle in the plural and you add ent ending, you won't pronounce this whole ent ending. That's very important. En conclusion, on va récapituler toutes les lettres qu'on prononce ou pas à la fin des mots en français. Marcel, viens m'aider pour ça, s'il te plaît. Alors, Marcel, dis-moi. Quelles lettres on prononce à la fin des mots en français euh, Alors, euh, A, I, O, U, E, C, F, G, L, R. Oui, super, très bien. Bravo Marcel. Et quelles lettres on ne prononce jamais E, D, M, N, P, S, T, X. Mmh. Super Marcel, très bien. Et quelles lettres on ne trouve pas ou presque pas à la fin des mots français Y, B, J, K, Q, V, W. Oui, exactement, c'est ça. Bravo Marcel. J'espère que vous aussi, vous avez bien retenu toutes ces lettres. Donc ma conclusion, c'est que d'une façon générale, on ne prononce pas les lettres à la fin des mots français, seulement les voyelles, à part le E, et quelques consonnes bien précises c'est ça qui est le plus important voici un petit exercice pour finir essayez de lire ces mots et marcel va vous aider à vous corriger papier sorbet froid pluriel cuir appartement neuf parent part et et voilà, fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que maintenant vous savez mieux lire les mots français et que vous pourrez améliorer votre accent grâce à mes petits trucs. Oh, merci. merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao!